Hi everyone, my name is Céline, I manage the Lingoni social media community and I'm one of your French teachers. Welcome back to our video series Everyday French. In these videos, I teach you French sayings, expressions and vocabulary that French natives use in everyday life and that are often difficult for French learners to understand when hearing them in the street. So listen carefully and don't forget to take some notes. Aujourd'hui, nous allons parler du petit déjeuner, breakfast. I suggest you to write down all the new vocab step by step and pause the video. C'est parti, here we go! Le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée. Breakfast is the first meal of the day. Certaines personnes n'arrivent pas du tout à manger le matin au réveil. Some people cannot eat anything in the morning. D'autres préfèrent manger quelque chose de léger. Others prefer eating something light. Mais pour la majorité des gens, le petit déjeuner reste le repas le plus important de la journée. But for the majority of people, breakfast is the most important meal of the day. Il y a un dicton qui dit, there's a proverb which says, manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Breakfast like a king, lunch like a prince and dine like a pauper. Alors aujourd'hui, considérons que nous mangeons tous comme des rois le matin, car attention à la vague de vocabulaire qui va arriver. So today, let's consider eating like kings in the mornings because of the tons of vocab that follows. Le petit déjeuner classique français, tel qu'on le trouve dans un hôtel ou dans les cafés. The classic French breakfast you can find in hotels or cafes includes est constitué d'une boisson chaude, hot beverage, accompagné d'un jus d'orange, orange juice, et d'un produit céréalier de boulangerie. A cereal product from the bakery. Une viennoiserie, a pastry, et ou de la baguette avec du beurre et de la confiture. Or some baguette with butter and jam. Un jour de semaine, avant d'aller travailler, les Français se font souvent des tartines de pain. Before work, on a weekday, the French often have slices of bread. Par exemple, de la baguette, soit fraîche de la boulangerie, fresh bread from the bakery, ou bien grillée au grille-pain ou au four, or grilled in a toaster or in the oven, ou bien des tranches de pain demi, or toast. On y met du beurre ou de la margarine, you put butter or margarine on it, avec un couteau, with a knife. Puis, on y étale de la confiture, jam, du miel, honey, ou bien de la pâte à tartiner, a kind of spread, avec un couteau ou une cuillère, with a knife or a spoon. Les confitures les plus courantes sont les confitures de fraises, d'abricots ou de divers fruits rouges. The most common jams are strawberry, apricot or various berries. On peut aussi prendre du pain de campagne. You can also have dark bread. Dont la farine est nutritivement de meilleure qualité que celle du pain blanc. With flour that is nutritionally better than white bread. Ou des biscottes, crisp bread. L'avantage des biscottes est qu'elles se gardent plus longtemps dans le placard. The advantage of crisp bread is that it lasts longer. Il en existe de toutes les sortes de farine et de toutes les qualités. They can be made with various types of flour and of every type of quality. Du bio au sans gluten. From organic to gluten-free. Certains aiment aussi les petits biscuits spéciaux déjeuner.
Some people also like the special breakfast cookies. Ils sont riches en fibres, mais aussi en sucre. They are rich in fiber, but also in sugar. Qui se vendent au supermarché. You can buy them at the supermarket. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont habitués à leur bol de céréales ou de muesli. A lot of people are also used to their bowl of cereal. Avec du lait, de vache ou végétal. With dairy or dairy-free milk. Il est traditionnellement moins courant en France que dans d'autres pays européens, par exemple, de manger salé au petit déjeuner. In France, it's less common than in other European countries, for example, to eat salty food. Du fromage, cheese ou de la charcuterie, cold meat slices. En revanche, les œufs à la coque ou les œufs brouillés sont assez appréciés. However, boiled or scrambled eggs are appreciated. Mais de façon plus ponctuelle, le week-end par exemple, ou avant une grosse journée de travail. But only from time to time. On weekends, for example, or before a long workday. Parmi les boissons chaudes, among hot drinks, il y a la tasse de café, coffee, la tasse de thé, tea, ou le chocolat chaud, hot chocolate. Beaucoup de Français aiment tremper leurs tartines dans leur boisson chaude. A lot of French people love to dip their slice of bread into their hot beverage. Je pense que c'est assez typique et que vous ne verrez pas ça partout dans le monde. I think it's rather typical for the French. You won't see that in many other parts of the world. Un verre de jus de fruits accompagne très souvent le petit déjeuner des Français. The French often have a glass of juice for breakfast. Le plus souvent, c'est le jus d'orange, orange juice, ou encore le jus multifruit, or mixed fruit juice. Si on a le temps, et si on a des oranges, et si c'est la saison, on peut se faire un jus d'orange pressé. If you have time, if you have some oranges, and if it's the season of course, you can make yourself a freshly squeezed orange juice. Sinon, évidemment, il est conseillé de manger un fruit au petit déjeuner. If not, it's suggested to have some fruit for breakfast. Là, à côté des fruits de saison, on trouve le plus souvent les bananes ou les kiwis. Enfin, et même si elles ne sont pas conseillées par les nutritionnistes, les viennoiseries sont très populaires chez les Français. Finally, even though they're not very recommended by nutritionists, pastries are very, very popular for French people. Un petit déjeuner français digne de ce nom ne va pas sans le fameux croissant ou pain chocolat. A real French breakfast doesn't go without the famous croissants or pain au chocolat. D'ailleurs, dans certaines régions en France, on ne dit pas pain au chocolat, mais chocolatine. In some regions, they are called chocolatine instead of pain au chocolat. Que ce soit le week-end, at weekends, un matin pour marquer le coup ou dans un café, on a special morning or in a café, les viennoiseries les plus courantes après les croissants et les pains au chocolat sont les pains au raisin, les chaussons aux pommes, les brioches au sucre. Mais il y a bien d'autres spécialités. Et on les trouve dans toutes les boulangeries. Et même en sachet au supermarché au rayon pain. You can also find those famous pastries in plastic bags at the supermarket. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'en France on a l'habitude de manger au petit déjeuner.
Et n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, en français, ce que vous buvez et mangez le matin. Feel free to tell us in the comments, in French, what you usually eat and drink for breakfast. Don't forget to go to lingoni.com where you will find over 4,000 interactive exercises and more than 200 worksheets. So if you want to practice what you've learned today, go to lingoni.com and work on your reading, writing and listening skills with our app. Merci et à très vite dans une nouvelle vidéo.